Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, j'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps avec le taf et tout. Et bon voilà, là je vais faire les premiers points de l'année. Là je suis côté espagnol, je suis pas en France vu que c'est toujours compliqué. Et du coup voilà, bon, je vais faire quelques pains, je vais tester aujourd'hui le petit pain Mindlamp bleu en fait, pour faire les échantillons. Et j'en ai fait acquisition récemment et je voulais tester parce qu'il est petit, il est sympa, notamment pour le dos, il évite de se faire mal. Ça permet de faire plus d'échantillons sans se crever. Voilà. Donc bon, je vais vous montrer un peu où je vais chercher et voir. Alors sachant qu'ici c'est un nouveau lieu que je suis en train de tester, j'ai jamais testé ici, donc on va voir ce que ça va donner, les amis. Et je voulais vous remercier aussi pour votre fidélité, vos commentaires, vos messages, vos nombreux mails. Ça fait chaud au cœur. Et c'est toujours sympa les échanges qu'on fait. Voilà. Donc prenez soin de vous mes amis. Moi je suis super content d'être au bord de la rivière enfin. Et je vais faire mes premiers pas de l'année et on va voir ce que ça va donner mes amis. Donc l'idée là, c'est de chercher sur les berges, sans les abîmer bien sûr, ramasser des déchets évidemment. Voilà, je vois pas de déchets pour le moment. Et ensuite donc je vais utiliser le fait qu'il y ait des obstacles procurés par les arbres. Il y a une succession d'arbres derrière moi qui sont alignés. Et je vais chercher en aval de ces obstacles. Juste après, il y a des dépôts d'alluvion, du sable, il y a aussi des racines avec des alluvions déposées dedans. Donc je vais regarder dedans, je vais faire quelques pans, quelques tests, voilà. Et il faut savoir qu'ici l'eau elle peut remonter de 3 à 4 mètres. Et là je suis hors eau, donc directement dans les terres. Voilà les amis. Bon, je vais voir ce qu'il en est et je vous dis à tout à l'heure. Je vous présente le matériel que je vais utiliser pour cette session de prospection. La petite bouteille fiole pour aspirer le concentré et les paillettes à la fin. Là, le mini pan bleu Mindlamp, très très bien, petite taille, parfait pour faire des prises d'échantillons sans se fatiguer. On ne s'abîme pas le dos ni les bras et on peut laver un peu plus régulièrement. Donc, bon, je vais le tester, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Voilà, donc le petit Mindlamp bleu. La pelle, très important, donc une pelle creuse que vous trouverez dans les rayons style gamme vert ou bleu marché. Ça sert à servir des grains, celle-ci est en métal. Elle est très bien parce que je peux récupérer du substrat, le mettre dans le pan sans en perdre. Donc ça c'est super. Ensuite, le petit grattoir, voilà. Et un marteau de géologue. Comme vous voyez, le matériel est très simple, très basique. Avec ça, ben, on va faire la session de recherche et on va voir ce que ça donne, les amis. Je vais vous montrer maintenant sur quoi on va s'orienter. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'alignement des arbres. Vous voyez, il y a différents arbres alignés sur la berge. Comme on peut le voir ici, tous ces arbres-là. Donc l'idée, c'est de chercher en aval de l'obstacle. En aval de l'obstacle, pareil, donc dans les racines, il y a du substrat, il y a du sable, j'ai pu voir ça. Il faut bien comprendre qu'en période de crue, l'eau elle monte au moins jusqu'à ce niveau-là. Donc du coup, ça charrie quand même pas mal de matériaux qui est susceptible de se coincer dans ces obstacles. Là ici, il y a des sables, je vous montrerai en détail. Là, ce qui est intéressant, c'est par exemple les touffes ici et gratter dans ces zones, les interstices, ça fait comme un suisse naturel avec des obstacles. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette succession, cette série de touffes qui peut servir de piège à or. Donc on verra ça plus tard. Et sur cette... sur ce dépôt, ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment que du sable. Voilà. Donc il y a un obstacle ici. Ici, ça s'est accumulé. Donc on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je vais tester ici, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Vous voyez, il y a encore des arbres dans le prolongement. Petit test pour voir s'il y a des sables noirs avec un aimant. Donc on passe dessus. Sable, vous voyez,
Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de Sardanor ici. C'est plutôt très bon signe. On va faire un pain ici. Ouais les amis.
Oui, chapeau sable noir. Je vois du jaune, les amis. Mais c'est très dense. Très, très dense. Donc, faut s'appliquer. Parce que des fois, les palettes, elles sont sur le tapis d'hématite de sable noir. Là, ici, vous voyez une paillette. Elle flotte. Elle est sur le sable noir, tellement que le sable est dense. On va essayer de la récupérer. Là, ici, là, les amis. Là. Ici. Là. Ici, les amis. Là, ici, il y en a une. Là, les amis. Ici. Là, le point jaune. On va isoler. Ici, les amis. C'est de là. Vous voyez ? Ici, là, ici. Bon, bah voilà, les amis. Mais un peu d'or, ça fait pas de mal, même si, bon, c'est pas des pépites, hein.
Allez, on va récupérer tout ça. On va observer ça au microscope. Tout ça. Le sable noir. En tout cas, il y a beaucoup plus de sable noir que la configuration précédente. Bon mes amis, je suis content de la petite session là. Ça a donné un petit peu. Et bon, je vais vous montrer ça avec des photos prises au microscope pour que vous puissiez bien voir les détails des formes des paillettes et des grains. C'est très important d'étudier des formes des grains et des paillettes. Ça permet de déterminer leur origine, leur histoire. Voilà, donc ça permet d'avoir beaucoup d'informations à ce sujet. Et aussi, ça permet d'observer les composants des sables noirs. Donc ne pas négliger cela. Il y a aussi de l'or qui est invisible, donc ça permet aussi de les récupérer. C'est-à-dire de l'or en nanoparticules, très très fin. Voilà, mais là on a trouvé des paillettes visibles, donc c'est plutôt cool. Et je voulais vous donner mon impression sur le pan Miner Lab bleu, le petit pan, le petit modèle. C'est un très bon pan, très sympa, facile à manier. Je le recommande. Voilà, le Miner Lab, je le recommande. Je pense que je vais l'adopter parce que je trouve bien. Fait pas mal au dos, on force pas, ça permet de faire pas mal de petits échantillons de ci de là, donc je vous le recommande, très très bon plan le MineLab. Voilà mes amis, bon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres articles aussi à venir sur le site internet de goldschmidt.com. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous remercie en tout cas, et prenez soin de vous mes amis, je vous aime beaucoup, à bientôt.